ce matin, nous sommes toujours à Trois-Rivières et rien qu'à voir les camions qui circulent, nous savons que nous ne sommes pas loin des États-Unis. Notre-Dame du Cap. Le sanctuaire Notre-Dame du Cap est un lieu de pèlerinage marial catholique situé au Cap de la Madeleine, un secteur de Trois-Rivières au Québec. C'est un lieu qui accueille chaque année plus de 500 000 pèlerins et visiteurs en provenance de tous horizons. La basilique a été construite à partir de 1955. Neuf années ont été nécessaires pour que tous les vitraux faits à la main soient installés. Je dirais que l'édifice est de style art déco. Le site prend forme en 1759. Et au départ, c'était une mission pour les autochtones et surtout pour les éloigner des dangers que représente le bourg de Trois-Rivières et en particulier l'accès facile à l'alcool. Notre-Dame du Cap est le plus important pèlerinage marial d'Amérique après celui de Notre-Dame de la Guadeloupe au Mexique. Voici la statue de Notre-Dame du Cap qui aurait ouvert les yeux en 1888. Dans le parc adjacent se trouve un chemin de croix monumental. C'est là que s'ébattent les écureuils. Et de remarquer que les arbres ici sont plantés en guise d'ex-voto. Le tombeau du Christ représenté ici est un facsimilé assez fidèle de celui qu'on peut visiter à Jérusalem. En plus d'un pèlerinage, Notre-Dame du Cap est une promenade agréable au bord du fleuve Saint-Laurent.